Non mais... Allô? 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 Grand-père, tu me reçois? Hein? Alhamdoulilah, dis-moi, est-ce que je t'ai expliqué comment est-ce que le palabre du Sénégal a commencé? Non. Très bien, ça tombe bien. Écoute, tout a commencé parce que le monsieur-ci a mis en prison le monsieur-là. Mais pourquoi? Par rapport à une histoire un peu rocambolesque, macabre, ténébreux, pitié, labreux, désastreux, dangereux, tout ce que je veux, parce que c'est bizarre, c'est à une autre instant, je ne comprends pas, parce qu'il faut qu'on m'explique. Tu me suis? Voilà. Par la suite, le monsieur-ci a fait arrêter le monsieur-là par rapport à le jeter à prison. Mais pourquoi? Or, le monsieur-là dit que c'est pas lui. Tu me suis? Hein? Donc, le monsieur-ci dit c'est lui. Le monsieur-là dit c'est pas lui. Donc par rapport à ça, les deux sont fâchés. Mais pourquoi? Et comme l'autre, il est président, il a tous les pouvoirs du pays. Et que l'autre, c'est un farouche opposant, il a tous les pouvoirs de la population. Voilà ce que maintenant, où tout le palabre, la guerre va commencer. Parce qu'une fois que celui qui a tous les pouvoirs du pays a mis celui qui a tous les pouvoirs de la population en prison, tout est nyangami. Parce que lui qui a tous les pouvoirs de la population a appelé son chef de classe. Que voici. Et quand lui il est sorti, tout le quartier est sorti. Grand petit, me suis? Hein? Très bien. C'est là que le match devient intéressant. Tiens-toi bien. Hein? Maintenant, lui qui a tous les pouvoirs du pays a fait sortir l'armée, la police, les policiers, enfin bref, tout ce qui est armes, ils sont sortis. Et en même temps, de l'autre côté, lui qui a le pouvoir de toute la population, ah, il a appelé des renforts assez lourds. Sa première recrue a été un footballeur à la carrue des Pékin. Ils ont la même gestuelle, la même technique, le même feeling, la même posture. Que voici. Tu me suis? Hein? Toujours dans la même équipe, ils sont les recrutés qui? Un gardien venu de l'Allemagne. Grappe, dis-moi, tu connais le gardien du Bayern de Munich là, non? Hein? Voilà. Ils sont les recrutés son petit frère en Allemagne. C'est-à-dire que lorsque la police tire les gaz là, lui dégage. Ensuite, ils sont partis recruter des gars venus spécialement de la Guinée-Conakry, des vrais lanceurs de cailloux professionnels. C'est là qu'ils ont tué là. Cette fille que voici, ah, elle a tué des. À elle seule, elle a percé tête de 180 gendarmes, 130 policiers. Et 480 militaires. Et le meilleur dans tout ça, laisse tomber. Lui, c'est un mathématicien. Le petit fait de Pythagore est à l'aise en lanceur de cailloux. À lui seul, il a défié toute l'armée. Sans oublier évidemment le ravitailleur en munitions. À ces deux-là, ah, ils ont fait trembler vraiment lui qui a tous les pouvoirs du pays. Et tellement c'était chaud, lui qui a tous les pouvoirs du pays était obligé de libérer lui qui a tous les pouvoirs de la population. Tu me suis? Hein? Donc voilà, c'était un peu l'histoire. Tu as compris, non? Hein? Va, au revoir, bonne nuit. Merci. Tous les sorciers qui sont ici, oui. Vous êtes des bâtards! Allez danser, allez danser, allez danser, allez danser, allez danser, allez danser, allez, 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 allez